Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle, il est pratiquement 15h moins le quart à ma montre ici depuis Divo, Côte d'Ivoire, à notre état-major. Justement pour souhaiter mes voeux les meilleures, excellentes années à tous mes amis internautes, à toutes mes connaissances, à ceux qui aiment, n'est-ce pas, le travail que nous faisons par la grâce de Dieu, à ceux qui nous soutiennent dans le monde entier. Et en même temps, il est vraiment important pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus durant toute cette année passée, 2015. Pour dire, cette année nous a apporté beaucoup d'expérience parce que nous avons vécu beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas? D'épreuves dans le sens où, physiquement parlant, j'ai été victime d'agression. J'ai été vraiment objet de beaucoup de choses parce que nous avons frappé dans le droit le cœur de la sorcellerie ivoirienne telle que les bruteurs. Nous avons dénoncé ces pratiques. Nous avons dénoncé toute pratique du fétichisme, du maraboutage au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons été beaucoup victimes de beaucoup d'attaques physiques, sachant qu'ils ne pouvaient rien sur le plan spirituel, vont nous attaquer physiquement. Et en même temps, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de comprendre qu'il faudrait faire attention à nos fréquentations. Voilà, donc ça nous a permis de grandir. Vous savez, quand vous vivez une attaque, ça vous permet de grandir. Depuis nos sorties au Maroc, nous avons compris beaucoup de choses, nos fréquentations, ceux qui nous ont fréquentés, ceux qui nous avons même aidés depuis le Maroc, jusqu'à ce que ceux d'ici, en Côte d'Ivoire, nous avons compris beaucoup de choses. Que ce n'est pas tous ceux qui nous fréquentent qui nous portent dans le cœur. Ce n'est pas tous ceux qui fréquentent le centre, qui aimeraient voir le centre, le ministère évoluer. Mais heureusement que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous évoluons en fonction de la grâce que Dieu nous fait. Et donc ça nous a amené vraiment à comprendre qu'il y a même des agents de Satan, il y a même des enfants du diable qui nous fréquentent dans le but de pouvoir nous nuire, ni sur le plan physique, ni sur le plan communicationnel. Mais nous, ce que nous retenons dans tout ça, c'est que nous avons vécu des épreuves, nous sommes sortis grandis des épreuves. Voilà, donc ce qui a créé en nous le discernement, nous avons pris ici des mesures de sécurité, des mesures de certaines choses pour que désormais nous ne soyons plus encore victimes de certaines choses. C'est une fréquentation, doit être beaucoup maintenant filtrée et tout ça. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train d'améliorer nos services. Nos services parce que nous sommes en train de grandir, et déjà pour servir sur le plan international. Nous sommes en train de mettre un site en place, un site web en place, en même temps une chaîne de télé en place. Nous disons merci. Madame Naïn depuis les États-Unis. Merci aussi au frère Roger, merci aussi à tous ces bien-aimés qui nous ont, n'est-ce pas, nous aider en équipement, tout ça pour que nous puissions encore nous améliorer en matière informatique. Voilà, donc merci parce que nos services déjà en matière de réception, c'est-à-dire que les mails, nous allons très bientôt vous communiquer les mails, les réservations, ceux qui veulent arriver, leurs réservations déjà sur l'internet, vos préoccupations, vos sujets, il y aura beaucoup de rébus comme ça, afin que nous puissions, n'est-ce pas, vous aider en matière de prière et tout ça. Nous sommes en train de tout mettre en place pour pouvoir vraiment vous servir, parce que nous sommes au service, nous sommes à votre service. Merci pour le soutien que vous ne cessez de porter à notre égard, malgré les calomnies, malgré tout ce que les gens rencontrent autour de nous, malgré tout, nous essayons, par la grâce de Dieu, avancer. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Et merci parce que vous n'avez cessé de prier pour nous. Parce que c'est un ministère qui est unique au monde où nous dénonçons les pratiques de la sorcellerie à visage découvert. Et nous aidons même des agents de Satan à se convertir, à se donner véritablement à Jésus-Christ. Il y a beaucoup, il reste encore à faire, mais nous comptons aussi sur votre soutien. Voilà, merci pour l'État ivoirien aujourd'hui. J'étais victime d'agression, merci, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, physiquement parlant. Je ne voulais pas, mais finalement, l'État décide de m'aider dans tout ça. Voilà, donc je dis merci pour tout ça, parce que j'étais un citoyen ivoirien, et je mérite quand même que l'État s'occupe de ma protection. Voilà, c'est vrai que Dieu veille sur nous, mais comme c'est l'attaque est devenue maintenant physique, donc je pense que l'État est en train de prendre des mesures pour pouvoir m'aider, soutenir mon ministère, c'est déjà quelque chose. Merci à la télévision ivoirienne qui me donne aussi la possibilité d'être consultant de la télé. À chaque fois, j'ai des missions télé afin de pouvoir éclairer les gens sur le phénomène qu'est la sorcellerie, parce que je suis un agent, n'est-ce pas, de développement, afin de pouvoir mener, n'est-ce pas, des personnes à revenir en Afrique, à pouvoir investir. Au moment où les gens disent, n'allez pas au village, nous exhortons d'accepter Dieu,
afin de pouvoir aller investir dans leur village. Au moment où les gens disent ne venez pas en Afrique, nous autres, nous les exhortons à venir. En ce qui concerne les tournées, nous sommes en train de nous améliorer parce qu'il faut quand même un service qualifié sur le plan international. C'est vrai que la sœur Diamant, c'est du bénévolat qu'il faisait par la grâce de Dieu afin de pouvoir aider le ministère sur le plan international. C'est pour cela que merci, lui dit chapeau pour tout ce travail qu'elle a fait dans un premier temps en aidant de servir du pont d'intermédiaire entre le service de Côte d'Ivoire et la diaspora. Mais je la sens un peu épuisée, donc j'ai dû améliorer le service sur le plan international. Quand je serai là-bas, je vais encore vous communiquer, n'est-ce pas, les adresses et le groupe. Madame Diamant, Maman Diamant s'occupe plus des huiles. Le service d'huile s'est arrêté dans un premier temps. Tout service de Skype s'est arrêté parce que je vais vers vous cette fois-ci en fait de pouvoir régler tout ça. En ce qui concerne mes tournées, je serai très bientôt par la grâce de Dieu en Europe. On aura l'occasion de se voir. Je parle de service. J'ai une équipe encore que j'ai commencé à mettre. Vous savez, c'est Dieu qui nous donne une vision, qui nous donne, n'est-ce, la possibilité de faire asseoir une équipe selon lui. C'est pour cela que je suis en train d'améliorer le service sur le plan international, afin de mettre une équipe en place. J'ai déjà une équipe en place. Vous savez, c'est Dieu, la commission vient de Dieu. Voilà, donc Dieu nous donne la possibilité de mettre une équipe en place. Quand je serai sur place en France, je vous donnerai l'occasion de pouvoir intégrer ce groupe-là. Et parce que nous sommes en train de monter une ONG sur le plan international basé justement en France, afin de pouvoir aider au maximum la diaspora. Et je viendrai, n'est-ce pas, pour des concerts. Donc les choses vont changer de tournure à partir de l'Allemagne, le concert et puis sur le sud. Donc merci déjà pour ceux qui nous portent dans le cœur. Donc pour vous dire, nous sommes en train de nous améliorer avec votre aide. Merci pour le soutien que vous apportez déjà. Bonne et heureuse année, excellente année, c'est ce que je peux vous dire. Non seulement ça, la Côte d'Ivoire, à tous nos amis, nos enfants spirituels de la diaspora, au monde entier, et que cette année vous apporte la grâce et le bonheur. Nous serons, par la grâce de Dieu, de vous servir. De vous servir. Vous savez que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Malgré nos difficultés, nous avons essayé par la grâce de Dieu. Nous allons essayer d'apporter le maximum de nous-mêmes pour vous aider. Comme j'étais en but de dire, le dernier culte, le premier culte de l'année, je vais avec une onction particulière. Ce sont mes vacances, je viens de prendre mes vacances pour vraiment chercher la face de Dieu davantage, pour qu'il m'équipe davantage, pour pouvoir être encore davantage à vos services et enfin de pouvoir pousser encore mon livre. Et d'ici deux semaines, je serai encore à votre service par la grâce de Dieu. Excellente année. Que l'année vous apporte beaucoup de grâce, l'année de l'enfantement de la